Chers amis, bienvenue sur le site du fort de La Pompelle. Nous sommes ici pour inaugurer un monument en mémoire du corps expéditionnaire russe qui est venu en 1916 se battre pour la défense du secteur de Reims et du fort de La Pompelle. Je crois que pour nous tous, pour les Russes, pour les Français, c'est un grand jour, puisque nous allons ouvrir ce monument en mémoire des soldats russes qui ont participé au combat sur le front de la Marne pendant la Grande Guerre pour défendre la France, pour défendre la ville de Reims, mais aussi pour défendre leur propre patrie très lointaine,
faut imaginer ces milliers et des milliers de Russes qui sont venus à 4000, 5000, 6000 kilomètres de leur maison pour participer au combat. Et presque 8000 parmi eux ont donné leur vie, ont sacrifié leur vie pour libérer la France. Et je crois que c'est vraiment un grand jour pour nous tous, un jour de la commémoration, un jour de souvenir, un devoir de mémoire, mais aussi une fierté nationale, quand on sait que les Russes sont venus ici pour défendre un pays ami, la France, et pour faire ce combat à la gloire de la Russie et de la France. J'éprouve un grand sentiment de fierté en étant ici aujourd'hui. Excellence, merci de nous avoir accordé quelques instants en ce jour pour Arcorus et beaucoup de personnes qui verront le film. Merci, Excellence. Merci.